On Passive, c'est une entreprise qui développe des solutions intégrées sur Internet, donc les solutions totales pour toute entreprise, toute taille d'entreprise, et avec une seule plateforme digitale sur laquelle il y a plus de 50 produits et qui vont révolutionner le monde Internet, le monde digital. Et tous les produits sont alimentés par l'intelligence artificielle. Voilà ce que On Passive fait. Et On Passive donc le développe dans le monde entier, dans plus de 200 pays au monde, dans plusieurs langues, plus de 108 langues. Et nous sommes les fondateurs donc, de On Passive. C'est vraiment une bonne manière d'intégrer ce groupe, cette société qui fait du bien. Là, nous sommes en train d'avancer doucement, que personne ne vous trompe. Je suis content d'être dans On Passive. Donc, acclamez pour tous les On Passiviens qui sont là et les nouveaux arrivés. C'est une rencontre d'échange et comme qui est organisée par notre reine mère ici, notre mère Teresa que nous appelons Naka, qui est ambassadrice qui est venue du Canada et moi-même de la France, avec les ambassadeurs du Togo. On a décidé de se rencontrer à Lomé après avoir fait la rencontre de Cara, Meet and Greet Cara. Ce n'est pas tous les ambassadeurs qui ont pu faire le déplacement. Et on s'est donné donc rendez-vous aujourd'hui pour échanger, pour faire un retour d'expérience de Cara et surtout échanger avec les autres ambassadeurs qui étaient ici à Lomé. Donc c'était le but. Et au cours de ces échanges, on voulait d'abord connaître nos ambassadeurs qui sont ici, dont les fondateurs, mais les revendeurs aussi, et partager les dernières évolutions, les dernières mises à jour de On Passive, tout ce qui s'est passé depuis les derniers jours. Et c'est ce qu'on a, partagé ensemble autour de la soirée. On Passive est fait d'abord de fondateurs. D'accord? Il y a ceux qui ont saisi la vision, qui ont partagé cette vision du PDG H. Moufaré, donc de pouvoir aider les gens à améliorer leur quotidien, à élever l'humanité. Eux, on les appelle les fondateurs, donc les premiers bénéficiaires. En fait, c'est les premiers clients donc de l'entreprise. Ensuite, ceux qui ne sont pas fondateurs, parce qu'ils n'y sont plus depuis le 22 juin 2022, la position de fondateur est fermée et il n'est plus possible d'être fondateur. Tous ces fondateurs-là sont devenus les ambassadeurs de l'entreprise, de la marque, pour aller donc porter la bonne nouvelle auprès des futurs clients et revendeurs. Il y a les revendeurs, c'est ceux qui viendront dans l'entreprise, qui vont donc acheter des produits pour la revente. Ils n'auront pas à vendre quoi que ce soit, c'est l'entreprise qui le fait pour eux. On les appelle les revendeurs. Et puis, tous ceux qui ne sont ni revendeurs, ni fondateurs, et ils sont clients. On continue la lutte. Merci beaucoup. Pour être dans l'écosystème, parce qu'on appelle un écosystème, c'est très simple. Et ça se passe donc sur référence. Par exemple, si je vous partage l'opportunité, j'ai mon lien, le lien de référence auquel je vous réfère. Et via ce lien, vous allez pouvoir vous connecter dans l'écosystème en donnant votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous choisissez une adresse mail, donc un courriel par lequel on peut vous joindre. Alors, à partir de là, vous recevez une confirmation et vous êtes dans l'écosystème. Donc, sans mon lien de référence, vous ne pouvez pas vous connecter directement qu'en allant sur le site et là, vous vous connectez comme client et donc de l'entreprise ou revendeur. Maintenant, avant, quand on a fait la première phase où on était des fondateurs, c'était pareil. La personne qui apprend, qui est au courant de l'opportunité, est encouragée à partager aussi avec les autres pour que ça profite aux autres. Donc, c'est par le lien. Et c'est comme ça que Naka donc, a eu le lien, qu'elle a partagé avec Bienvenue, qui a partagé avec moi.
Et puis, de fil en aiguille, on a partagé avec les autres ambassadeurs au Togo et en Afrique et dans le monde entier. C'est ce qui nous a amené donc à rencontrer les gens avec lesquels on a partagé donc cette vision-là depuis 2 ans et demi maintenant. Qu'est-ce qui fait la différence entre ONE Passive et les autres réseaux? D'abord, ONE Passive n'est pas un réseau de marketing de réseau. Ce n'est pas ça. Et ONE Passive est une entreprise réelle, donc digitale, comme j'ai dit, avec des produits digitaux d'Internet alimentés par l'intelligence artificielle sur une seule plateforme et totalement automatisée. Ces produits sont ceux qui seront vendus donc aux clients et qui vont générer des revenus. Ces revenus vont générer des commissions à leur tour et c'est ces commissions qui sont partagées avec donc les fondateurs et les revendeurs. Il n'y a pas donc un gain qui puisse venir d'une autre manière que la vente donc de ces produits, d'où on appelle les revendeurs ou bien les clients. Donc on ne peut pas comparer ONE Passive avec d'autres réseaux parce que ONE Passive ne fait pas du MLM, donc marketing de réseau. Les différents témoignages étaient très, très émouvants et teintés de beaucoup d'émotions par rapport à ce que les uns et les autres ont vécu, par rapport aussi aux difficultés qui sont les difficultés ambiantes et surtout la volonté de continuer à partager donc cette opportunité-là avec les autres. Ça m'a semblé, oui, que le message est passé et qu'ils ont apprécié la soirée. Oui, bien sûr. Et il faut savoir qu'au même moment que nous étions ici en présentiel, nous utilisons donc un des produits phares de ONE Passive pour être aussi à distanciel. Donc, par visioconférence, ça s'appelle O-Connect. Via O-Connect, il y avait plus d'une cinquantaine d'autres personnes qui étaient connectées et je crois que Naka peut me le dire, ça a augmenté pendant que nous étions en train de discuter ici, les gens nous suivaient. Et ça ne s'arrête pas là, nous avons aussi ça en ligne, donc nous mettons ça sur nos chaînes et les différents ambassadeurs ont des chaînes YouTube qu'on partage. Chaque fois que nous avons une rencontre comme ça, nous enregistrons et nous partageons avec l'ensemble des autres fondateurs et l'ensemble des futurs clients. C'est disponible, c'est gratuit sur nos chaînes. Et quand vous tapez Orphée Adam ONE Passive, vous allez tomber sur ma chaîne. Ou si vous tapez Naka Awili ONE Passive, vous allez tomber sur sa chaîne. Et ou Sakye Sizing Bienvenue ONE Passive, vous allez tomber sur aussi sa chaîne. Tous les ambassadeurs animent et relayent ça sur les chaînes. Nous avons une chaîne et de l'entreprise qui est youtube.com/onepassive. Vous allez là-dessus, vous avez tout ce que nous avons partagé. C'est de l'autorité publique, c'est ce que l'entreprise aussi partage. Les vidéos que nous partageons, c'est ce qui est disponible et conseillé de partager. Oui, vous pouvez le retrouver en ligne. Et si vous ne le trouvez pas, il suffit de prendre attache avec nous et nous faisons le plaisir de partager ça avec vous.